Bonjour et bienvenue, on est de retour pour la survie du week-end. Donc la dernière fois, on avait fait plus ou moins le tour en fait de cette zone. On avait plus ou moins récupéré tout ce qui était très intéressant. Donc ressources, hein, ressources, hein, même des massettes et tout ça. On pourrait aller en récupérer un peu plus, je crois. Mais si je dis pas de bêtises, ouais, ça suffit. Au pire, on pourra faire une petite aventure pour aller récupérer des massettes. Alors, je me suis un peu préparé, on va dire, avant de lancer l'épisode, parce que je voulais faire un peu, on va dire, le tri dans ce qu'on va ramener. Donc, on va rentrer. On va rentrer. Octobre étant fini, donc du coup, je peux un peu plus me concentrer sur ça, sur la survie du week-end. Donc, ouais. Donc, c'est ce qu'on va laisser. Alors, je ramène du surplus. J'ai même peut-être un pied de biche, on avait dit. Ouais, peut-être un pied de biche. On va laisser ça. C'est pas mal. Là, il n'y a que 12 allumettes. Attendez. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'elle se mixe comme avant, là? Ouais, ok, elles refont ça. Donc, on va en laisser 10. Ouais, très bien. Voilà, le marteau, on en a un. Il n'y a pas de problème. Ça, honnêtement, j'en ai pas besoin parce que j'en ai plein déjà à la maison. Donc, c'est pas vraiment important. On est quoi? 53. Ouais, non, mais après, on va être plus de 55. Donc, au pire, on fera le tour. Enfin, on reviendra si c'est nécessaire. J'ai récupéré les. Ouais, on peut y aller, je crois. Je crois qu'on peut y aller. J'ai récupéré les oiseaux aussi. Parce qu'on avait récupéré les plumes. En plus, il fait bon. Ah, il fait bon. Parfait. On avait récupéré les plumes. J'avais retiré les plumes, qui est le plus long. Hein. Ça prend quasiment 2 heures. C'est super. Et du coup, il restait que la viande. Donc, j'ai récupéré la viande aussi. Parce que c'est vrai que dans un sens, ces oiseaux, ils sont méga rares. Si... Il faut vraiment les chercher. Il faut écouter tout ça. Il faut se balader longtemps et tout. C'est un peu chiant, en fait, à trouver. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire dans cet épisode, il risque de pas être extrêmement extrêmement long, je sais pas si on va faire 1 heure, mais ce que je voudrais en fait c'est rentrer, et après on va peut-être essayer de mettre les choses un peu de côté, genre préparer les choses et tout ça, pour potentiellement le DLC, donc on est arrivé en novembre, donc en théorie on devrait avoir le DLC, enfin le DLC, la nouvelle partie en fait, la partie 4, avant la prochaine année. Et je dois vous rappeler aussi que le problème, c'est que, et c'est souvent, ils ont fait ça plusieurs années d'affilée, hein, donc c'est pas comme si j'inventais et tout ça. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, et j'espère, peut-être qu'ils vont changer leur habitude, et j'espère, mais ils vont sûrement sortir le DLC, et après ils vont partir en vacances. Et le problème, c'est que quand Interland part en vacances, alors je suis désolé, on va parler un peu de ça, hein, parce que bah, là on a un peu tout fait, et là on rentre en fait, donc il n'y a plus grand chose à dire. Je vais faire passer ça en tant qu'épisode de la survie du week-end, pas en tant qu'épisode extra, parce que ça va pas être un épisode long. On n'est pas techniquement en train de farmer, mais voilà. Du coup, on va un peu parler des choses à droite à gauche. Mais une fois qu'ils lancent leur mise à jour à chaque fois, leur rajout, en fin d'année, ils partent en vacances jusqu'à janvier, je crois. Janvier, février, un truc comme ça. Et le problème, c'est que la boîte, la compagnie, en fait, est complètement fermée. Il n'y a plus personne qui travaille. Et c'est tout le temps comme ça. Et du coup, bah, s'il y a des gros problèmes, bah, les joueurs, ils sont un peu bloqués avec ça. Et tous ceux hein, qui jouent depuis un moment, hein, vous le savez tous, hein, on est tous au courant de ça. Hein. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc c'est un peu problématique. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on va un peu à droite, à gauche? Mais bon, le problème, c'est que je suis un peu lourd, là. J'ai pas vraiment envie de... Non, on va faire ligne droite. Au pire, on fera d'autres épisodes pour aller fouiller les petites zones et tout ça qui manque. Genre, on sera ultra léger. Enfin, ultra léger. 30 kilos, quoi. Et on ira récupérer des trucs vite fait. Genre, en courant un peu à droite, à gauche. Vous voyez, on fera ça, peut-être. Donc, voilà. Donc, j'ai un peu peur de ça. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont... J'y ai pensé plus, honnêtement. Franchement, j'y pensais plus. Mais oui, c'est vrai que bah, Interland, ils ont l'habitude de faire ça à chaque fois. Hein, le vent se lève un peu. Donc ça me fait un peu peur. Ouais, vous voyez là, genre là-bas et tout ça, il y a des champignons et tout. Je dois bien les prendre, mais ça va. Déjà qu'on est lourd.
Autant. Autant tracer un peu, quoi. On a ça, oui, ok, c'est bien. Autant tracer. Il est où mon arc? D'accord, ok, super. Ne pas sprinter et aller dans le menu et tout ça, apparemment, ça bug bien. Enfin bref, donc voilà, il y avait ça que j'avais un peu peur, maintenant que les gens me l'ont rappelé. Après, on avait parlé de faire un plan, en fait, pour la nouvelle zone. Donc, je vous rappelle, on a vu que les nouvelles zones, ça va être des mines, surtout. Donc, il va falloir vraiment des sources de lumière. Et je vais être honnête, si vous voulez faire, genre, il y en a qui montent un peu, vous savez, la luminosité et tout ça. Vu comment le jeu fonctionne maintenant, avec la luminosité, les sombres et les couleurs noires et tout. Enfin, les couleurs noires, je sais, c'est techniquement faux, mais bon, vous avez compris. Même ça devient très compliqué de jouer sur la luminosité. Donc vraiment, ne tombez surtout pas à court de lumière en pleine mine ou en pleine grotte. Parce que là, vous allez vraiment mourir. C'est quoi ça? Ah oui, c'est une torche. Donc faites des torches. Pêchez. Je vais être honnête, la pêche est vraiment encore... est toujours aussi mauvaise, j'ai envie de dire, niveau poisson et tout ça. Donc c'est un peu la galère. Je vais essayer de pêcher. J'ai envie de faire une vidéo où je fais que pêcher, juste pour montrer comment c'est nul. Mais bon, je sais pas. Okay. J'ai envie de faire une vidéo farm pêche, peut-être. Ouais, peut-être, je sais pas. Pour vous montrer la meilleure façon que j'ai trouvée, en fait, en gros. En gros, c'est pour ça. On peut faire ça. On peut faire quoi d'autre? Donc ouais, récupérer du poisson. Pourquoi? Parce que ça récupère, vous récupérez du fuel hein, quand vous faites griller le poisson. Faites ça. Si vous avez des lampes, plusieurs lampes, vous pouvez les détruire. Ça, vous êtes au courant, je pense. Vous pouvez les détruire et récupérer le fuel qu'il y a dedans. Moi, je le fais jamais. Je le fais jamais. La plupart du temps, je laisse la lampe dans la région en question. Mais c'est vrai que c'est une bonne solution aussi de récupérer du fuel. Mais après, je crois que j'ai 4 jerrycans. C'est con que je puisse pas les transvaser les uns dans les autres. Il y a un mode qui fait ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais bon, on peut pas le faire dans le jeu vanilla. Donc ouais, je pense que je vais prendre ça. Et aussi la lampe torche. Si vous avez la lampe torche... Si vous avez eu de la chance d'avoir la lampe torche, même en un truc comme moi, je pense que je vais la prendre. C'est 1 kilo, j'avoue, c'est un peu chiant, mais je pense que je vais la prendre. Parce que rien que le fait de pouvoir utiliser la lampe dans une grotte au lieu d'utiliser genre la lampe torche, pardon, et pas la lampe tempête, ça va vraiment aider. Et aussi essayer peut-être de trouver la lampe rouge qu'on a, la lampe tempête rouge là. Elle dure plus longtemps, elle consomme moins de fuel et tout, donc ça va être bien. Donc je suis assez content, honnêtement comme j'avais dit la dernière fois, je suis assez content de planifier. Ça j'adore, ça c'est vraiment mon kiff d'avoir des nouvelles zones et de vraiment de planifier en fait ce qu'on va faire et comment on va survivre et tout ça. Mais ouais, j'espère que ça va bien se passer. Alors, on avait vu qu'il y avait deux ours au moins ici, donc il y en a un sur la droite et un sur la gauche, un peu plus profond. Donc faut faire gaffe. Ça, il fait pas trop froid. Il fait pas trop froid. Faut que je monte le son dans mon casque, moi j'entends rien. Alors, on va peut-être pas trop s'approcher de la droite. J'ai cru entendre un pas dans la neige.
Aussi, si vous voulez pas trop chasser dans la nouvelle zone, bien sûr, hein, comme d'habitude, on conseille tout ce qui est nourriture sèche et qui ne peut pas se détériorer et que, qui est pas lourd. Genre, alors tout ce qui est nourriture humaine, encore une fois, genre les... les barres de céréales et tout ça, bon, si vous avez, ça c'est sûr, ça reste le top. Oh la vache, tu m'as fait peur ce con. J'ai peut-être trop monté le son maintenant, oh la vache. Donc ça, ou sinon... pour les choses qui se renouvellent, bah du coup, massette et les glands, les glands sont super bien. Genre plein de massettes et plein de glands. Plein de massettes et plein de glands, ça serait pas mal. Je crois que je suis un peu trop loin de la du centre là. Bon, vas-y, ramène ta fraise parce que... C'est bizarre ça. What? Pourquoi il a eu peur? Pourquoi il aurait eu peur? On est d'accord que c'est pas logique ce qui vient de se passer. Parce que s'il a peur, ça veut dire qu'il peut pas m'atteindre en fait. Ou alors c'est parce qu'il y a un prédateur autour de moi. Ou alors c'est qu'il y a une torche en dessous de mes pieds. Ou un feu. Et il n'y a rien de ça en fait. Donc je dirais que... Il a pas pu m'atteindre, peut-être. Je vais essayer de gagner de la distance pour éviter qu'il nous court après, encore une fois. Ah, mais il trottine. Mais il trottine plus vite que moi, du coup, c'est la merde. Ah, pile devant. Je crois que la glace, elle se casse, là. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Oh, la vache! Il y en a combien, là, des loups, hein? Là, on a une tempête qui se lève, ça va être fun. Après, j'avoue que j'ai plein de nourriture fraîche, hein, donc ils doivent sûrement, genre, tous se réunir vers moi. Ah bah ouais, regardez, 1, 2, 3. Ouais, ils sont tous à se réunir vers moi, en fait. C'est pas grave. Vu qu'ils peuvent pas attaquer ensemble, du coup c'est pas vraiment un problème. Ce qu'on peut faire après, c'est laisser des morceaux de viande. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais ouais, ça va être sympa de se préparer. Beaucoup de gens, bien sûr, attendent le travail, encore une fois. Hein. On n'arrête pas d'en parler. Hein. On n'arrête vraiment pas d'en parler. Aussi,
On m'avait dit, c'est vrai qu'on m'avait rappelé le pistolet de détresse là. Ça pourrait être intéressant de le prendre. Il y a un ours là-bas. Le pistolet de détresse, ce serait pas mal de le prendre avec nous si jamais on doit tuer un gros truc. J'avoue. Il paraît que ça one shot. Moi, j'ai jamais testé, donc je peux pas confirmer. Et je vais être honnête, j'ai jamais vu de vidéo et tout ça. J'ai jamais rien regardé sur ça. Donc, je sais pas si ça one shot vraiment les ours, les élans et tout ça. Là. Mais on m'a dit que oui. On m'a dit que oui, donc du coup, ouais, j'ai pensé à faire ça. Ça fait... En fait, le problème, c'est que ça... Plus on va en prendre, ça va être compliqué, en fait, de... De se déplacer. C'est ça que j'ai un peu peur. En fait, il faudrait se déplacer... On peut se déplacer lourd. Mais après, il faut trouver un endroit où se reposer. Comme ça, on dépose tous les objets surplus. Aussi, essayez d'avoir vos vêtements à 100% avant de partir, des choses comme ça. Kit de soins. Ah oui, la dernière fois, on s'était fait attraper, là. Il faut que je récupère des barbes de Jupiter, là. Faut voir si j'en ai. Que ça aussi, vous avez vu, il en faudrait 5 de chaque, honnêtement. Parce qu'à chaque fois, des fois, je faisais 3. Mais on a vu la dernière fois où c'est vite descendu très vite. Donc du coup, ouais, 5 pansements, 5 barbes, 5 de chaque en fait, pour être vraiment tranquille quand vous vous déplacez, je dirais. Ah, c'est pas le meilleur chemin pour se déplacer lourd hein, ici. C'est vraiment dangereux quand même. Il y a beaucoup de loups. Des grandes lignes droites où vous pouvez pas vraiment vous protéger de rien. Il faut complètement combattre tout le temps. Donc c'est vrai que ça, c'est pas... Ce que je fais, c'est extrêmement dangereux. Je pense que c'est une des zones les plus dangereuses pour être lourd en fait. Parce que là, si je tombais nez à nez avec un ours et que j'étais un peu trop près, je peux pas courir. Il y a encore un loup qui me court après. On le voit là. Je peux pas en fait m'échapper loin de l'ours, donc il va me rattraper et me sauter dessus. J'ai aucun endroit pour me mettre à l'abri. C'est vraiment une des zones les plus dangereuses pour faire ça. Donc faites gaffe. Allez, plus qu'une zone et on est bon. Let's go. Ça va, on y arrive. Donc là, on risque d'attirer aussi un peu quelques loups. Surtout que, encore une fois, ça fait longtemps en fait qu'on est parti du coup. Ça fait quand même plusieurs jours. Donc... Tout le monde revient en fait, au bout d'un moment. La faune revient.
On va se mettre un peu plus sur la droite. On y arrive presque. Mais voilà, ça c'est un exemple de pourquoi la plupart du temps je coupe quand je reviens. Mais là je voulais un peu montrer et discuter un peu des choses qu'on peut garder. Après, dans les nouveaux repas, il faudrait regarder ce qu'on peut récupérer, ce qu'on peut faire. Pour nous aider. Ah oui, dernièrement, on m'a dit que on pouvait faire bouillir les bouillons. Je sais plus si les bouillons avaient des problèmes, avaient été buggés. Genre, on pouvait plus les faire bouillir. Je crois que de tout ce qu'on pouvait faire, des nouveautés, là, quand on les faisait, c'était chaud. Mais une fois que c'était froid, ça restait froid. Vous pouviez plus les faire réchauffer. Donc peut-être que maintenant tout a été corrigé par rapport à ça. Donc ça serait intéressant, comme ça on a le bonus de chaleur. C'est vrai que les bouillons aussi peuvent être pas mal. Je sais plus ce qu'il faut pour les bouillons. Je crois qu'il faut des oiseaux. Je sais plus exactement. Faudra qu'on regarde. Ah, vous voyez, il y a même là, même les bois et tout, il y en a partout. Il y a un truc à gauche, non? Ça là, c'est pas un animal? Un cerf. Ça veut dire que du coup il n'y a pas grand chose ici. Je suis sûr qu'ils doivent être sur la glace. Je suis sûr qu'il doit y avoir des packs de loups sur la glace. Ils sont souvent là-bas quand on est parti pendant plusieurs jours. On a entendu les oiseaux, on peut peut-être aller les... Peut-être aller les attraper. Alors... Ouais, genre ça, parce que ça peut être pas mal. 12 tasses aussi. 2,40 kg, je sais pas si c'est beaucoup. Je sais plus exactement combien c'est de... Je vais voir... 332. Ok. 332 l'un du coup. Et là on la fois 12. D'accord. Ça peut être intéressant. Alors, hop. Non, attendez. C'est pas là. Là c'est la nourriture là. Alors, on a du café à poser, on a des carottes, de l'huile, patates, ça. Ok, très bien. Ah, je vais pas avoir de place. Oh, merde. Ah, tout est plein de plein. Tout est archi plein. Ah, qu'est-ce que c'est embêtant, ça. Je vais tester un truc. Vous avez vu l'espace là? Je peux pas vraiment les mettre côte à côte. Alors. Ah oui, c'est vrai que j'avais plein. Ah oui, j'en avais quand même pas mal. Ah, mais j'avais quand même une petite réserve de.
D'oiseaux. C'est vrai que je les touchais pas en fait. À chaque fois, je les mets de côté. Je me dis, ah, on va les. On va, on, ça, c'est pour la cuisine. Ça, c'est pour la cuisine. On va pas les manger. Ça, c'est pour la cuisine. Bah ouais, au final, j'en ai. Bah ouais, on en a beaucoup. Alors, normalement, maintenant, on peut. Ouais, on peut les mettre un peu plus proches les uns des autres. Ouais, c'est un truc que le jeu a. Si vous déposez les choses et que vous sortez, vous re-rentrez, après vous pouvez placer les choses beaucoup plus proches les unes des autres. Pourquoi? J'en sais strictement rien. Mais ouais, on a pas mal de choses. Ah oui, ça aussi. On a plein de bombes qu'on avait gardées. Bombe de peinture. On a une balle aussi. Donc, tout plein de torches. Ce serait bien de pouvoir avoir des. Des endroits pour accrocher les choses. Oh là là, ça serait bien. Voilà, donc ça, c'est mes jerrycans. Donc ouais, ça c'est cool. J'en avais 4. J'ai encore une lampe, il y a quoi dedans? Il y a 0,70, donc ça je peux la casser par exemple. Et récupérer 0,70 de fuel. Là on a plein d'allumettes. Non, c'est des boîtes de vin que j'avais fait. Ouais, c'est quand ils avaient introduit le bug, vous savez, où tout avait le même pourcentage. Et du coup ils l'ont jamais fixé pour les allumettes. Parce que les gens disaient que c'était bien. Je pense que j'en faisais partie en fait surtout. Et du coup, on peut faire ça. Voilà, on a des boîtes de vin, c'est bien. Plein de livres, plein de ça, plein de ça, plein de. Putain, je me rappelle plus que j'en avais autant. On a des fourrures qui traînent. Les fourrures de cerf, il faudrait que j'en récupère un peu plus. J'espère qu'on aura des nouveaux vêtements avec les anciennes fourrures aussi, parce que ça fait des années que ça n'a pas évolué, ça. Alors ça. J'en ai pas qui traînent des. Ah oui. Ouais, j'en ai, ils sont là. Alors. Ça aussi, hein, les Fire Steel 0,10, ça dure longtemps, c'est très intéressant. Alors les barbes de Jupiter, j'en ai quasiment pas. J'en ai quasiment pas. Ça, c'est un problème par contre. Ça, il faut aller en récupérer. Ouais, ça, il faut absolument en récupérer. Man, I could use a drink. Hop. On a les têtes de flèches, faudra que je refasse des flèches, comme ça on partira avec du 100%. Vous voyez pourquoi je prends plus de bois pour le moment? J'ai encore plein de têtes de flèches. Ben ça, c'est les têtes de flèches, en fait, au fur et à mesure qu'on a cassé les flèches, hein, évidemment. J'ai 6 fûts là, j'ai encore une flèche là. Bon, les flèches de feu, on les utilise plus parce qu'honnêtement, ça prend de la place pour rien. Au final, c'est inutile, hein, pour moi. Je vais être honnête, sur le papier, ça avait l'air bien et tout. On les a utilisées pendant un moment. Mais au final, c'est comme les bombes de peinture, c'est que c'est trop lourd pour rien, au final. Parce que autant avoir des. Autant prendre des. Même là, j'ai encore des flèches. Autant prendre des flèches normales. Pour pouvoir les utiliser en fait sur n'importe quoi. Voilà. Et vous voyez que tous les bois que j'ai. Donc bon, ça va. Hein. C'est pour ça que je prends plus vraiment trop ce qui traîne. En fait, enfin non, je les ramène plus, en fait. Parce que j'en ai trop, en fait. J'en ai vraiment trop. Mais ouais, encore une fois, c'était bien sur le papier et tout, c'était sympa. On les a utilisés pendant un petit moment. Mais comme j'ai dit, ça sert à rien au final. Ça sert strictement à rien.
Parce qu'on récupère trop de flèches et tout, de toute façon. Donc, c'est pas vraiment un problème de tirer des vraies flèches. Bon, je crois que pour les massettes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre par terre. On peut la virer, la roue? Ouais. Ah putain, je vois rien du tout. Oh, fais chier. Oh mon dieu. Ah, ok, attends. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. On va dormir, histoire de récupérer notre vie et tout ça. Ah, ce bruit. C'est pas grave, de toute façon, on est trop fatigué. Il est trop fatigué pour sortir. Très bien. On n'a pas tout récupéré en vie, par contre. Ça, c'est un peu embêtant. C'est pas grave. Est-ce qu'on a encore des choses à jeter, sûrement? Ouais, ça, il faut que je les range. Ça aussi. Mais il fait pas. On voit rien, quoi. Ça aussi, je l'avais construit, ça sert strictement à rien. Parce que on peut pas mettre la viande qui est à zéro. Parce que sinon elle disparaît, c'est un container quoi. Un container, donc ça sert à rien au final. Ça, c'est triste aussi. Qu'est-ce que je voulais faire? Je vais juste essayer de tuer ça, comme ça je récupérerai la nourriture le lendemain. Dans le coup. C'était parfait. Toujours tirer un peu plus haut. Ah oui, attendez, il y avait des. Jesus, it's cold. Ah, ils sont là. Ah, fait chier, on est en pente là. Ils sont cachés par la pente et moi je vais avoir froid. Ah. J'espère qu'ils seront toujours là. J'espère qu'ils seront toujours là. Il faut être un peu précis en fait pour les toucher, donc ça c'est un peu relou. Ah, vous voyez tout ça là, il faudra le prendre pour. Honnêtement, c'est limite ne pas partir avec de la viande, quoi. C'est partir avec que des trucs comme ça. Que des portions de fruits qui bougent pas, de genre de glands ou alors de massets, des trucs comme ça, des plantes et tout. Comme ça reste. Genre là, et c'est 150 x 62, quoi, juste pour 3 kilos, c'est nickel. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, ça c'est. Ah, il faut du sel quand même. Faut quand même du sel, ok, ça marche. Donc ça, on pourrait le faire.
Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on pourrait être intéressant pour partir à l'aventure? Un goût de truite. Ah, faudrait pouvoir les mettre en favoris, quoi. C'est le béaba. Ouais, on avait dit donc tout ce qui était tourte, ça c'est le top pour le poids maximal. Donc ça c'est pas compliqué. Et les meilleurs c'est le gibier, je crois. Ouais, c'est le gibier, je crois. Ouais, ça fait 406. Bien sûr ça pour rester éveillé, la fatigue. Ça aide pour la fatigue, hein. Ça va nous sauver la vie plusieurs fois. Et après il y a les croquettes aussi, ça c'est le top. J'avoue que les croquettes c'est le top, ça en fait 3 je crois. 3, non 4, 4, je crois que c'était 4, c'est par 4, si je dis pas de bêtises, je crois. Hein. Ça aussi ils devraient le dire, ils l'ont jamais modifié, ils le disent pas par combien c'est. Hein. Parce que là t'as l'impression que t'en fais qu'un seul. En fait non, t'en fais pas du tout qu'un seul. Donc faudra pêcher, mais je crois que j'en ai encore un peu de la truite arc-en-ciel, donc ça il faudra. Peut-être qu'on ferait un épisode de cuisine. Et je vais m'appeler Gordon, ok? On pourrait peut-être faire ça. Ça c'est super compliqué à faire, c'est relou. Pancake, pancake au gland. C'est un peu nul les pancakes. T'as max. Ouais, faudra vérifier. Faudra vérifier ce qu'on fait. Ah, vas-y, on ressort, on va essayer d'attraper les oiseaux. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il paraît que ça. Si ça en mauvais état, on peut même plus les utiliser, les appâts de pêche. Ça, c'est pourri, ça. Ça, c'est vraiment nul, parce que j'en avais fait quelques-uns, vous voyez? Mais du coup, je peux plus les utiliser, parce qu'ils sont à 0%. Là, on a quoi? Arc-en-ciel, grand gyrogone, petite bouche. Je crois que c'est celui-là le plus commun. Je me rappelle plus le plus commun. Ça, c'est la viande d'ours, cerf, loup, plein d'oiseaux et du lapin. J'entends rien, je crois qu'ils sont partis. Ah, quoique. Ouais, c'est mort. C'est mort. Ah, c'est pour ça que c'est chiant, ces oiseaux. Hein. On aurait dû en prendre un, au moins. Tirer sur un. Regarde s'il n'y a pas de loup qui traîne. Ah, je les entends. Not sure I can carry much more. Ah là là, j'ai encore froid du coup. Ah, ça va être la galère, ces machins, pour les attraper. What? Ils sont là-bas, hein. Ah, ça va être la pure galère pour les attraper, ces machins. On va essayer de prendre les oiseaux, puis après je pense qu'on va s'arrêter là. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait sombre. Faut que je range encore des choses, faut que j'aille récupérer des barbes. Ça, c'est seulement pour me réchauffer, hein, parce que normalement je ferais pas ça. Mais c'est pour me réchauffer rapidement. Ok, très bien.
Ah bah, tant qu'il fait jour, on va en profiter. Alors, j'avais dit que... Ouais, on peut mettre là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ça fera moins de place. Ouais, du coup, ça sert à rien de les compter. Voilà. Ça nous fera notre petit tas de tiges. Nickel. On devrait faire techniquement pareil avec ça et ça, parce que ça, c'est des trucs qui ont... On en a à foison. J'avoue. Ouais, voilà, on est déjà plein. Là, j'ai encore des racines, j'ai encore des plumes et tout ça. Il va falloir vraiment que je fasse encore un tri. J'en ai qu'un seul de ça? Non, je dois en avoir autre part. Ouais. Parce que ça, c'est du craft. Donc, du coup, je les laisse avec le craft, même si techniquement, on peut pas les utiliser ici. Bon, on va essayer de capturer les oiseaux, puis après, on arrête. Ah, mon dieu, t'es sérieux? C'est mort là. Bon bah le temps a pas voulu. Le temps a pas voulu. On va récupérer la peau. Peut-être même ça. Comme ça, ça fait de la corde et tout ça, de la ficelle. Ah. Gotta warm up somehow. Ok. Pas mal. Bah pas mal, c'était très bien. Je sais pas pourquoi ils mettent du temps à revenir, je comprends pas. Ah peut-être qu'ils viennent. Après peut-être qu'ils se posent, vous savez. C'est comme ça qu'il fonctionne. Let's go. Ça, il faudra que je retire les plumes et tout ça quand j'aurai le temps. Ça, c'est cuit. Ok, nickel. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là, je pense. Ce sera notre petit épisode de retour. Récupérer de la barbe. Ah, la barbe. Ah, ah, ah. Marrant. Hein. C'est quoi qui est préparé? C'est les mèches? Ouais, c'est les mèches. Ça, c'est ça. On en garde deux sur nous à chaque fois. Faut que je me vide encore un peu plus l'inventaire et que je mette à jour les choses. Et puis après, on... Après, je verrai ce que je fais exactement. Je pense que le prochain épisode, ça sera potentiellement de la farm. Parce que j'ai pas trop envie de ne pas reprendre les épisodes, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est combien? C'est 0,45 et pour une cartouche, c'est 0,05. Ok. Bon, les cartouches, pas très cher. Pas très lourd, pardon. 0,45 pour le pistolet à détresse. Ouais, ça peut être utile. Ça peut être utile de le prendre avec nous. J'ai des livres qui sont pas. Ouais, des livres pour tirer, quoi. Il me faudrait pêche et fabrication de munitions en fait. Mais je crois que j'ai tout. Bon, du coup, je vais m'arrêter là, moi. On va s'arrêter là. Et ça sera donc notre petite aventure de retour et tout. Je saurai rerendre pour sauvegarder. Et on va s'arrêter là. Et du coup, le prochain épisode, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Peut-être aller faire de la pêche, des trucs comme ça. Des choses que j'ai vraiment pas vraiment faites en épisode exprès pour éviter de, on va dire, de perdre notre temps. Mais dans un sens, pourquoi pas le faire un peu. Genre, juste une petite exception à la règle, on va dire. Mais il faut que je range un peu les choses, par contre. Il faut que je range un peu mieux. Bon, tout ça, je pense que je vais pas le bouger, hein, parce que, bon, déjà, ça va me prendre trois plombes à tout bouger, c'est relou. C'est le bordel, il y a rien qui est... C'est un peu tout mélangé, je suis d'accord. Bah, puis en plus, maintenant, on a des trucs un peu à droite, un peu à gauche. Mais bon, c'est pas comme si je pouvais faire grand-chose, je suis extrêmement limité en place. Parce que là, je vais commencer à mettre les choses sur le sol. Ou alors là, il reste. Donc ouais, c'est un peu gavant. Mais bon, je suis un peu obligé là. Donc ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, journée, peu importe. Passez un bon moment et faites attention à vous. Ciao, ciao!